What's the central part of your training? Is it running? Is it sparring? Or central part. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. Depuis la dernière fois, tu connais, mets un petit j'aime, abonne-toi si tu viens juste d'arriver, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de la chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure, ok. Pour ça il y a deux choses que je te propose, hein. Après tu fais ce que tu veux, hein. Mais je pense que même il faut faire un petit peu d'oseille. C'est mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20K en une semaine, c'est gratuit, c'est offert, avant de créer à l'arnaque, jette un coup d'œil. Deuxième chose que je te propose, c'est ma formation Pirate Marketing, tu connais déjà, où je te montre exactement comment atteindre les 5K au minimum par mois avec la nouvelle façon de faire de l'argent, hein. Et puis maintenant les gars, c'est la nouvelle ère, hein. Et en plus j'ai rajouté des bonus complémentaires sur comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les startups, comment investir dans les crypto-monnaies, comment investir dans l'immobilier et sur personal branding aussi. Et en plus de ça, si tu passes par ton CPF, tu auras accès aussi à l'incubateur, c'est le partenaire avec qui je travaille, qui donnera accès à du coaching. Donc les gars, ça fait beaucoup là tout ça, là. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux de plus, hein. Donc si jamais tu es intéressé, tu veux en savoir plus, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description, tu mets ton numéro de téléphone, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler et après tu pourras poser toutes tes questions, c'est sans engagement, c'est gratuit, tu pourras poser toutes tes questions, pas forcément en plus liées à la formation, parce qu'imaginons que Pirate Marketing, ça correspond pas à ce dont tu as besoin actuellement pour pouvoir atteindre tes objectifs, et bien on va te conseiller sur quelqu'un d'autre ou j'en sais rien, tu vois, mais ce qui sera plus adapté en tout cas pour toi. Dans tous les cas, ça sera forcément bénéfique pour toi. Et si jamais du coup tu es intéressé pour Pirate Marketing, on fera le dossier avec toi si jamais tu passes par la CPF ou pas. Et on aura après les accès à Pirate Marketing. Après ce sera long, ce sera dur, ça prendra du temps. C'est pas magique les gars. Hein? Ça n'existe pas. Un bouton magique, tu appuies, il y a de l'argent qui tombe. Ça n'existe pas. Non mais je précise parce que... Et pas d'excuses les gars, j'ai grandi à Évry dans 80 ans, j'ai redoublé mon BEP, trop technique. On a grandi dans le quartier des Pyramides à Évry. Et pourtant c'est pas pour ça que genre on n'a pas réussi. Enfin... Et en plus, je suis qu'au début, les gars. Donc, je sais pas ce que vous voulez, les gars. C'est que dans la tête. Arrêtez de chialer. Si tu fais rien, il va rien se passer. Et passons directement au sujet de la vidéo. Alors, Mohamed Ali, j'espère que tu me feras pas l'affront de ne pas savoir c'est qui. Bon, je te le dis quand même. C'est quand même une légende. C'est un boxeur. Quand même champion poids lourd. Non. Ne fais pas. Prends, tu sais quoi. Si tu sais pas c'est qui, t'es dans la jeunesse et tout. Regarde sur Google et respecte cet homme quand même. Donc, du coup, il avait fait une interview. Enfin non, c'était plutôt dur à l'interview, un gars lui a demandé « Ouais, c'est quoi le secret de tes entraînements, etc. Comment tu fais, etc. » Et là, en fait, il va donner la clé du succès et les gens sont en train de rigoler. Ils ne se rendent même pas compte que ce qu'il dit, c'est super profond et que c'est réellement la clé du succès. Donc, je laisse regarder et on en discute. What's the central part of your training? Is it running? Is it sparring? Or... Central part is dodging the nightclubs and the parties and the girls. You want the truth? And being in the bed by yourself at 9 o'clock at night. And if you can get by that, you'll make it. Hey, Mohamed. Yeah, that's the truth. Now, I'll tell you the truth. You talk all that running and hitting the bags and jogging and vitamins you want. Mr. Ali. Dodging ladies is the main thing. Mohamed. Especially when you're pretty like me. Et t'as vu là, ils sont tous en train de rigoler. Alors évidemment, il fait des petites blagounettes, ce qui est très bien. Et ce que j'apprécie aussi, tu connais, là, c'est le genre de la maison aussi. Hein. Nous, on aime ça aussi, les petites blagounettes. Mais il faut être attentif aussi. Là, ce qu'il dit, c'est super profond. Et tu sais, et ça marche clairement pour tout ce que tu veux faire dans ta vie. Pour... À partir du moment, de toute façon, tu veux avoir des résultats vraiment de ouf, tu veux faire la différence par rapport aux autres, ben ça veut dire que tu dois agir de manière différente. Tout le monde va en soirée, tout le monde va boire de l'alcool, tout le monde va se coucher tard, tout le monde va courir derrière toutes les meufs, swiper toute la journée. Au lieu de te concentrer sur toi, augmenter ta valeur, devenir high value man, et tu verras que ton taux de conversion il va augmenter drastiquement. Donc du coup, comme il dit, même si un gars, il fait son jogging, il s'entraîne, tout ça, dans tous les cas, si jamais genre, il court après les meufs, il ne se couche pas à l'heure, en tout cas, il n'a pas le nombre nécessaire de... Parce qu'il se couche quand même à 9h. Donc, parce que le sommeil, c'est super important. Ça aussi, tout le monde néglige. J'entends des trucs des entrepreneurs, des Gary Vee. Moi, je dors 1 heure par jour, 4 heures. C'est genre à celui que... Moi, je dors pas. Ouais, les gars. Comment tu fais pour pas dormir? Moi, c'est juste à mon petit niveau. Ce qu'il dit, c'est trop vrai. Parce que des fois, tu as envie de te laisser influencer par ce que les gens disent autour de toi. Tu vois, même d'autres entrepreneurs. Hein. Tu vois, vas-y, mais profite un peu. Vas-y, sors un petit peu et tout, nanani. Mais à chaque fois que je vois, je me fais carotte, je me laisse un peu influencer. Je dis, ah, vas-y, je vais sortir et tout. Tu sors,
Ok, super, t'as passé un moment, machin, ok, c'est cool. Bon, rien de nouveau, hein, rien de nouveau sous le soleil. Le lendemain, bah t'es éclaté. Le lendemain, t'es fatigué. Donc tout le taf que tu voulais faire, bah t'as la flemme, tu fais pas. Et en plus, quand t'es entrepreneur, t'es à ton compte, donc tu fais ce que tu veux. Si tu veux pas taffer aujourd'hui, si je veux pas taffer aujourd'hui, je taffe pas. Mais si je taffe pas, je vais pas pouvoir être productif. Je vais pas pouvoir du coup atteindre les objectifs que je me suis fixé. Et du coup, là par contre, ça va vraiment me rendre malheureux là, pour le coup. Pour les gens qui cherchent à savoir est-ce que l'argent fait le bonheur, c'est surtout le fait d'avoir des nouveaux challenges, de continuer à grandir et de devenir une nouvelle version de soi-même, etc. Tu vois, le fait de progresser constamment, c'est ça qui te rend heureux, tu vois, le fait de croître. Et quand je rentre dans ce genre de discours de personnes qui sont au top niveau, et ça je l'ai déjà entendu sur plein de personnes qui sont au top niveau, ça fait plaisir parce que je me dis oui, évidemment. Parce que moi je le vois, je l'expérimente, parce que moi je le vois à mon niveau, comme je te disais, c'est. Enfin, si jamais. Tu commences à aller courir tout le temps derrière les meufs. Tu commences à te coucher tard. Tu commences à aller en soirée. Mais gars, comment tu veux ne pas te faire défoncer, businessment parlant, ou si jamais tu es dans la boxe, ou dans quelle que soit la discipline dans laquelle tu es, comment tu veux pas te faire défoncer par un gars qui court pas après les meufs, qui travaille sur lui et qui se couche à l'heure, qui sort pas. Tu pourras pas le battre. Et on est tous en compétition. Parce que ça, souvent, les gens, ils vivent comme si on n'était pas en compétition. Tu es tout le temps en compétition. Tu es en compétition pour avoir la meuf que tu veux avoir. Okay, y a d'autres gars qui sont autour qui veulent la même meuf que toi. Tu es en compétition face à ton employeur. Il y a d'autres gars qui veulent le même job que toi. Tu es en compétition, si jamais tu as un business, par rapport à un autre gars qui veut la même chose que toi. On est tout le temps en compétition. Donc, si jamais tu n'es pas au-dessus de la compétition, tu n'auras pas ce que tu veux dans la vie. Bref, en tout cas, j'ai bien apprécié. N'hésite pas à me dire si jamais tu es d'accord ou pas, ou peut-être si on est ouvert, il n'y a pas de problème. Si jamais tu penses, non, il faut s'amuser aussi, il faut prendre le temps et tout. Etc. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'amuser, il y a un moment pour s'amuser. Mais la plupart du temps, les gars, si tu veux avoir des gros résultats dans ta vie, tu ne peux pas agir comme les autres. Tu ne peux pas être en soirée, ce n'est pas possible. Une fois que tu as tout défoncé, tu as tout niqué, ouais, ok, là, ouais, c'est bon. Tu taffes même plus, c'est fini. T'as déjà tout plié. Mais ça prend quoi? Ça prend 10 ans. Ok? Après, ça dépend si tu fais d'autres stratégies. Mais bon, on va partir sur ça, 5 à 10 ans. Et en plus, je dis ça, mais c'est si jamais tu décides d'arrêter de rêver grand. Ça veut dire que tu as atteint l'objectif que tu voulais atteindre. Imagine, tu dis, vas-y, je veux être millionnaire. Une fois que tu es millionnaire, ben, t'arrêtes. Et tu déroules. Tu vis sur tes investissements et t'arrêtes. À la limite, là, oui, tu peux sortir, tu peux faire tout ce que tu veux, ça ne posera pas de problème. Et même ça, je pense qu'il faut quand même jeter un coup d'œil. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Mais moi, j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Il y a deux en description pour ceux qui veulent en savoir plus sur le secret de la nature féminine. Travailler sur vous au lieu de courir après les filles. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Je vais être ton camp.